Ici pour le matériel, donc normalement c'est la même chose. Donc je vous laisse découvrir. Il y a des records, il y a des boutons ici. Je pense qu'il n'est pas encore fiable. Je trouve qu'il y a encore des erreurs, mais à vous de découvrir et à vous de me faire des feedbacks. Voilà. Ici, pareil, il suffit de choisir le réacteur et faire une filtrée si suppose on a trop les réacteurs. J'espère dans l'avenir. Donc ça, ce sont les électrovannes. Donc il y a des ports associés avec des descriptions. Il faut bien écrire parce que comme ça pour éviter les confusions plus tard. Alors, je continue. Donc, ici, la configuration Internet Access Paramètres. Je pense qu'il va y avoir des choses à faire ici. Donc, ici, ce sont les cartes RFID, numéros de cartes RFID qui sont acceptés. Ensuite, ici, il y a une liste des paramétrages par défaut. Comme l'internet chez vous, donc je sais pas comment faire. Alors ici on a matériel culture, je vais en trouver, ça y est, créer modifier réacteur, il se trouve là le bouton add record, description vous remplit, voilà. Il y a aussi les IP host local. Donc peut-être plus tard, il faut que dans le premier temps, le réacteur il démarre, je sais, en dynamique, et puis il faut mettre en statique le l'adresse IP. Alors ensuite, il y a des choses. Donc, et puis, je pense que je vous laisse découvrir. Alors, il y a paramètre 6, vous pouvez créer nouveau. Renommer, supprimer. Quand vous supprimez ici, vous pouvez restaurer en faisant appuyer sur ce bouton là. Voilà, ou reload. Par exemple, ici, je veux supprimer le Ficusworks. Maintenant, je reviens restaurer. Je fais restaurer et ça y est, il est là. Voilà.